Apolline de Malherbe. Marie Dupin, vous avez une question d'Anne qui vous demande, elle est maman d'une petite Brune qui a 12 ans et Brune aimerait installer des rubans LED dans sa chambre parce que c'est la grande mode, sauf que sa maman a peur que ce soit dangereux pour ses yeux. Est-ce qu'elle a raison? Et malheureusement, je n'ai pas de très bonnes nouvelles pour Brune. Je vais être aussi rabat-joie que sa maman. C'est vrai que c'est très à la mode chez les ados, ces rubans LED de toutes les couleurs, des petites lumières de toutes les couleurs, mais il faut plutôt éviter d'en abuser. C'est l'ANSES, qui est notre agence sanitaire, qui le dit. Dans sa dernière étude sur le sujet, elle affirme que la lumière bleue des LED est toxique pour l'œil, qu'elle peut conduire à une baisse de la vue avec des effets à court terme sur la rétine et avec le risque à long terme de développer de façon précoce une DMLA, c'est une maladie où on perd la vue tout simplement. L'ANSES recommande d'ailleurs de restreindre la mise sur le marché des dispositifs à LED. Mais visiblement, pour l'instant, ils ne sont pas tellement écoutés. J'imagine qu'il faut faire particulièrement attention aux yeux des enfants en particulier. Tout à fait, parce que le cristallin de l'œil des enfants filtre très mal le bleu des LED, encore plus mal que celui des adultes. Par ailleurs, ces lumières bleues peuvent aussi avoir un impact sur le sommeil et sur les rythmes biologiques. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour Brune. Ce qui pose problème, c'est la lumière bleue des LED, parce que c'est une lumière très froide. Plus une lumière est froide, plus elle est dangereuse. Ça vaut aussi pour les adultes, d'ailleurs. Mais si Brune veut installer un ruban de LED rose, ou jaune, ou violet dans sa chambre, il n'y a aucun problème. Violet, c'est un peu border, mais bon. Est-ce que vous prenez votre responsabilité? Petite question supplémentaire. La lumière bleue dont vous parlez, c'est la même lumière que celle qui est dégagée par les écrans et dont on nous dit de nous méfier, par exemple, le soir avant de dormir? Il y a de la lumière bleue dans les écrans. C'est pour ça que dans les écrans de téléphone, il faut essayer justement de baisser la luminosité au maximum. Et surtout, il faut éviter de consacrer. Sinon, de regarder sinon ses Louis, le vous soir. N'hésitez pas à écrire à l'adresse Allo Marie. Mais je le fais régulièrement, mais Marie ne me répond jamais. Elle vous répondra.